Eh bien bonsoir tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui on va découvrir un petit jeu qui m'avait l'air sympa. Je l'ai trouvé comme ça. Ouais, ça arrive des fois, je me balade un petit peu sur le net et je trouve des jeux bien cool. Aujourd'hui bienvenue sur Donut County. J'adore les donuts, j'en mange très rarement, mais quand j'en mange j'adore ça. Oh, on va lancer une nouvelle partie. Alors aujourd'hui si je démarre ce petit jeu, eh bien c'est tout simplement parce que j'ai découvert quelques petites mises à jour. On va s'essayer ça maintenant, ça a l'air plutôt cool. Ça ressemble un petit peu à une application mobile sur laquelle je jouais il y a quelques temps, il y a pas si longtemps que ça d'ailleurs. Ben Esposito Present. Oh mais c'est excellent. Pourquoi t'as tapé sur ton chien, toi? À répondre. Répondre. Bon, j'y vais dans 5 minutes. Salut, ça marche. Alors, le but, vraiment, ça va être de manger tout ce qu'il y a sur la map avec son donut. Vous allez voir. Voilà, c'est bon, je viens de trouver le truc le plus cool du jeu. Tu peux t'amuser avec un rideau. Mais c'est juste excellent. Est-ce qu'on peut ouvrir la fenêtre? Ouais, yes. Ah ouais, voilà, c'est ça. Voyez? Ça ressemble exactement à une application sur laquelle je jouais il n'y a pas si longtemps que ça sur Android. Et en fait, le but, c'est que t'es un cercle, tout simplement, comme ça. Il faut que tu manges absolument tout ce qu'il y a dans la ville. Tu peux manger des bâtiments et tout. Tout, même lui avec son scooter, je suis sûr, tu peux le bouffer. Sauf que là, bien sûr, on n'est pas assez gros. Et plus tu vas manger de trucs, eh bien, plus tu vas grossir. C'est cool, quoi. Voilà, par exemple, tu manges cette petite balle. Tu peux manger même les petites décorations et tout. Oh, mais c'est juste excellent. Allez. Ah ouais, excellent, quoi. Attendez, on va manger 2-3 trucs histoire de grossir un petit peu. Voilà, bien sûr, vous pouvez retrouver le jeu sur G2A hein, avec le petit code GELAT. Vous avez des petites réductions qui ne sont pas négligeables. Vous avez tous les liens dans la description. Oh, regardez, regardez comment que je vais pouvoir le manger là. Vas-y, viens mon gars. Allez, allez, crack. Salut, au revoir. Voilà. Bien sûr, les gars, les filles, je compte sur vous si la vidéo vous plaît. Bah, oubliez pas le petit like, hein, ça fait toujours plaisir. Un petit pouce bleu, ça encourage. Ça mange pas de pain. Wow, le klaxon, c'est tu? C'est toi qui as fait ça? Bah, bien sûr, mon gars, mais j'ai pas trop le temps de te parler par contre. Je sais plus comment qu'elle s'appelle cette application là. Tu commences, t'as un espèce de petit trou noir et plus t'avales de trucs, plus tu deviens gros, tout simplement. À la fin, t'avales des buildings et tout. Enfin, c'est juste excellent, quoi. Si vous avez le nom de l'application, bah, marquez-moi là dans les commentaires. 6 semaines plus tard, 999 pieds plus bas, Donut County. À ce point-là, mon gars, on est si bas que ça? J'ai rien bousillé. Eh ben, mon vieux, ben, ça m'étonne pas, j'en suis bien d'accord. Alors là, en fait, ils sont autour du feu, hein. Ils se racontent quelques petites histoires en train de chanter la Kumbaya, tranquillement. Et pendant ce temps-là, nous, on va aller manger 2-3 petits trucs. Par exemple, ces petits trucs-là. Alors, faut tout le temps, bien sûr, commencer par les plus petits, hein. Ça coule de source. Par exemple, voilà, tu commences par la petite jarre. Après ça, c'est un peu, comment dire? Oh, 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 oui, 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 c'est un petit peu stratégique, j'ai envie de dire. C'est extrêmement simple jusqu'ici. Et voyez, je suis sûr qu'au bout d'un moment, on va pouvoir l'aspirer, la mère marmotte, là. Putain, comment qu'elle m'a claqué la porte au nez, mon vieux. Allez, avale ça, mon petit gars. Voilà, deuxième pastèque sur la droite. Petite gamelle du chien, petite briquette. Ah ouais, non, mais en fait, c'est une petite campagne. Tu vas pouvoir tout avaler comme ça. Oh, bah alors, elle va péter un câble. Je vais avaler toutes ses affaires, mon gars. Hop, la caisse noire. Et je suis tellement fort à ce genre de petit jeu. Vous verrez les points que je faisais sur l'application. C'est dommage parce que j'ai perdu. Désolé, ma petite marmotte. C'est dommage parce que j'ai perdu le nom de l'application. Je sais plus comment que ça s'appelle. Mais. Tiens, salut, toi. Ouh là là, ouh c'est bon, ouh ça s'engloutit tout ça, ouh ça s'engloutit tellement vite mon gars. Regardez à la vitesse à laquelle on évolue. Mais c'est un truc de fou, bientôt je vais pouvoir engloutir sa baraque, je suis sûr. Ramenez la marmotte à la maison, allez les bleus, allez les bleus. Enfin, j'ai dit une marmotte, c'est même pas une marmotte en fait, enfin pas vraiment. C'est l'air d'être un espèce de renard. Ramenez les renards à la maison. C'est bon, j'ai tout niqué ici. Ouais, yes. Ah ouais, non mais là par contre je commence vraiment à être grand. Ouh toi. Ah, il est malin, il est plutôt malin hein. Allez hop, ça tombe là dedans, voilà. Allez viens ici, allez, 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 allez. Oh il s'envole. Oh, il s'envole. Attendez, bougez pas. Je ramasse le scooter, le panneau. Faut peut-être que je reste au-dessus. Oh oui, vas-y, mon petit gars. Oh, d'accord. Oh, il s'envole. Attendez, on ramasse tout ce qu'il y a sur le passage. Ah bah ouais, bah maintenant, ok. Ouais, je vais pouvoir ramasser sa baraque bientôt, hein, je vous le dis. Hein. Ah ouais, non mais même le décor. Ok. Ouais, tu ramasses vraiment tout, quoi. Voilà, un bout du donut, tranquille. Regardez, je vais aspirer sa baraque bientôt. Quand je vous dis qu'on va pouvoir tout aspirer là-dedans. Ça, je peux pas encore. Sa baraque, est-ce que je peux la prendre? Oh oui. Et craque, mon gars. Est-ce que je peux ramasser ça? Oui. Ah, d'accord. Mais en fait, il y a tout qui tombe là-dessus. Belle livraison. Bah, j'espère bien, mon vieux. 999 pieds plus bas. Donut County. Non, on a la mer morte.
Marmotte qui est ici. Je voulais lui faire une surprise, lui offrir un donut. Et Sniff, donc, bien sûr, toujours, il se raconte des histoires autour du feu. Il chante un peu la Kumbaya. Il y a la mère Marmotte qui raconte son histoire. Et le père Marmottin qui joue un petit peu de guitare. Et nous, pendant ce temps-là, on arrive au-dessus avec notre trou noir. Et cette fois-ci, il va falloir aspirer lui. Ça va être une banalité, hein, je veux dire. Tiens, un serpent, on peut aspirer les serpents. Toi, mon petit gars, tu perds un pour attendre. Je vais ramasser tout ce qu'il y a autour. Voilà. Putain, il y a rien qui me résiste. Ah, si, peut-être ces petits serpents quand même me résistent. Ah non, il n'a pas résisté bien longtemps quand même. Voilà, petite pastèque. Ramenez les serpents à la maison. Allez, 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 allez. À mon avis, la poule là-bas à gauche, je pense qu'elle, on va pouvoir l'aspirer aussi. De toute façon, on va tout. Ah! Je pense qu'il faut pas qu'il me voie. J'en sais rien. Non, il a l'air de s'en foutre complètement en fait. Non, en fait, il en a rien à foutre, ok. D'accord. Ah, alors mon petit gars, on flippe, hein. On a les foies, hein. On fouette, hein, à ce que je vois. Oui, vas-y, gueule ma cocotte, tu vas voir. Ça a pas duré longtemps. Ouh, j'ai presque cru que mon trou n'est. What? Qu'est-ce qu'il fait? J'ai pas compris. D'accord. Ouais, je suis en train de tout péter avec l'espèce de queue de serpent. J'ai pas tout compris ce qui se passait. Ramenez les poules à la maison. Allez, 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 allez. Hop. Mon gars, elle a fait un salto la poule. Il fallait juste faire ça en fait. J'avais pas spécialement compris. Oh, ça y est, j'ai fait disjoncter le truc. Et maintenant, il va falloir tout bouffer, c'est ça? Oui, certainement. Allez, tombez tous là-dedans, mes petits. Voilà, ça tombe, tout ça, on prend. Ça a un petit côté satisfaisant. Prenez ça un petit peu comme une vidéo satisfaisante. C'est pareil. Oh, lui, bah, allez, hop. Ramenez la marmotte à la maison. Allez, 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 allez. D'accord, ça y est, il n'y a plus rien. J'ai absolument pris tout ce qu'il y avait sur la map. Belle livraison. Bah, tu m'étonnes, mon gars. Un peu que c'est une belle livraison. Kumbaya, la Kumbawe, la Kumbaya, la Kumbawe, Kumbawa, la Kumbawe, Kumbaya, la Kumbawe. Ouh, est-ce qu'on va pouvoir ramasser les petits poissons? Oui. Ramenez les poissons à la maison. Non, bref, va falloir que j'arrête avec ce délire. Je sais pas, en ce moment, j'ai envie de tout ramener à la maison, vous voyez, comme ce petit poisson. Voilà. Ramenez le chien à la maison. Allez, 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 allez. Allez, allez, tombe, mon petit gars. Ah, je suis pas encore assez gros. Attendez, je vais grossir un petit peu. Voilà, on va ramasser 2-3 trucs. Je pense que là, à mon avis, on est pas mal. Ramenez le chien à la maison. Il est tombé dedans, c'est bon. Ouh, mais dites-moi, on va se régaler par ici. Ah, mais attendez, on peut même ramasser l'eau? Non, impossible. Ah, mais attendez, mais j'ai de l'eau dans mon truc, là. Oh, putain, là. Ah, d'accord, ok, c'est bon, je viens de comprendre. Quand il y a de l'eau dans... Voilà. Bon, écoutez, déjà, voilà, on va vider toute l'eau. Voilà, on va ramasser ça un petit peu. Allez, bois ça. Ah mais c'est excellent! Il y a vraiment un côté stratégique, voyez? Tu peux pas non plus faire n'importe quoi, arriver comme ça en mode vas-y je te triture la souris dans tous les sens. Non! La niche du chien. Allez mon gars, allez, allez. What the fuck? What? Attends, bouge pas. Voilà, ça y est. Quand même, j'ai bien cru que j'allais jamais y arriver. Allez bois. Voilà, c'est bon. Il a tout bu. Impeccable. Bon, je pense que maintenant toi, tu vas venir avec nous. Ah non, putain. Ah, je peux pas le faire tomber? Attends. Mais c'est pas possible. Mais comment ça, tu veux pas tomber avec nous, mon gars? Je pense que maintenant, on va pouvoir récupérer sa caravane. Oui. C'était une banalité. Allez, hop. Ça, ça part. Est-ce que j'ai tout ramassé? J'ai tout ramassé, mon gars. Ah bah non, il restait plus que... Il restait plus que l'espèce de cigogne. Et en plus, on a de l'XP et tout. Donc, je vois qu'il faut arriver jusqu'au rang 10. Ouais, ici, ça a l'air assez simple. Ça a l'air très simple, même. Ça va se faire extrêmement vite. Donc, bien sûr, j'ai vu qu'il fallait ramasser le coyote. Voilà. Ramenez les courgettes à la maison. Allez, 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 allez. Est-ce qu'on va pouvoir ramasser le feu? Ouais, je pense que oui, hein, dans tous les cas. Allez, on ramène le feu à la maison. Non, on peut pas. Pas tout de suite, attendez. Voilà, on va grossir un petit peu avec ça. Allez, 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 tombe. Yes. Nickel. Alors, mon petit gars? Oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Attendez. Qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, ok, d'accord. Bah oui, j'ai ramassé l'espèce de maïs, là. Plus le feu, ça a fait des pop-corn. Ce qui est tout à fait normal en soi, en fait. On va ramasser l'espèce de charrette à pop-corn. Et donc, c'était pas des courgettes. Et ramener le coyote à la maison. Bon, bah voilà, hein, ça y est, c'est fait. Hein. Allez, hop, ça, on ramasse, on ramasse, on engloutit absolument tout. Est-ce qu'on peut engloutir le panneau? Je me pose cette question. J'ai pas l'impression. Attendez, ça déjà, voilà. Ah non, on pouvait pas engloutir le panneau. Oh, c'était extrêmement rapide, la phase du coyote, belle livraison. Ah oui, tu m'étonnes. J'ai envie de te dire, c'est normal en même temps. Hein. Avec le skill que je possède actuellement sur ce jeu, ça ne pouvait être qu'une belle livraison. 999 pieds plus bas. Eh ouais, mon gars, j'ai enfin récupéré le coyote. Oh,
vieux. Ça, c'est de la réunification de hippies, mon gars. Allez, c'est parti. Bah, regardez comment ils sont mignons. Ils observent mon trou quand même, hein. Tout le monde observe le trou, non? Bah, pas les lapins. Ils ont l'air de s'en foutre. Ramenez les carottes à la maison. Alors, on a 2-3 parpaings à récupérer. 2-3 lapins également. Voilà, on fait la petite allée de parpaings, bien sûr, pour commencer. Tout ça. Ouh, la petite citrouille. Je pense qu'on est... Ah, on n'est pas assez gros. Ah, merde! Ah, merde! Ah, j'ai fait le con, là. Est-ce que tu veux manger la citrouille, toi? Oui, vas-y. Mange la citrouille, mon vieux. Mange la citrouille à la maison. Vas-y, mange. Attends, peut-être que lui, il en veut un petit peu. Ah, faut le faire sortir. Ok, d'accord. Ah, mais je viens de comprendre. Attends, attends, attends. Voilà, voilà. Voilà, c'est bon. Les deux sont sortis. Donc, je pense que maintenant, les deux vont manger. Ouais, yes. Excellent. Putain, mais c'est stratégique, en fait. Ah ouais, mon gars. D'accord. Allez, on ramasse tout, l'enclos et tout. Donc je pense que maintenant, on va pouvoir gober la maison au père lapin là-bas. Le temps que je gobe un petit peu tout ce qu'il y a dans le décor. Voilà, comme ceci. Ça, c'est parfait. La petite briquette, on gobe. Ça, hop, 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 hop. Allez. Ah, voilà. Faites-moi grossir un petit peu tout ça. Voilà. Et hop, attends. Oh, oh. What? Ah non, 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 reviens. Ramenez le lapin à la maison. Allez, ça grossit encore un petit peu. Mais c'est super stratégique, c'est super bien pensé. Je le trouve vraiment super bien pensé, ce petit jeu. Bon, au final, l'histoire. Wow, what the fuck, mon gars. Il se passe des trucs, là. Il se passe des trucs, là. Voilà, la maison du père lapin, bah, elle est gobée. Au final, l'histoire, je pense que... Je pense pas que ce soit le plus intéressant. Vraiment, moi, c'est le gameplay que je kiffe. Parce que ça me rappelle, comme je vous dis, cette application que je jouais sur Android il n'y a pas si longtemps que ça, mais dont j'ai perdu le nom. Bon, écoutez, les gens, je pense qu'on va se laisser là pour cette vidéo sur Donut County. En tout cas, c'était histoire de vous présenter un petit peu ce petit jeu que je trouve vraiment cool. Ça me fait penser un petit peu... Je pense que je le catégoriserai dans les poyaux. Voilà, tu démarres petit et puis plus tu manges de trucs, plus tu grossis. Et c'est vraiment ce genre de petit jeu qui peut me faire coller pendant des heures. Donc vraiment, si vous avez kiffé, n'oubliez pas le petit like. N'oubliez pas également que vous pouvez retrouver le petit jeu sur G2A avec le petit lien dans la description et le petit code Jolat. N'oubliez pas également que je vous donne rendez-vous mercredi sur Twitch à 14h. Vous avez le lien dans la description. Vous pouvez d'ores et déjà aller follow la chaîne Twitch. Ça me ferait super plaisir. Sur ce, je vous dis à bientôt et ciao tout le monde, bye bye.